économique de crise perspective pour les étudiants, laquelle est initiée et organisée par François Zitoun, secrétaire d'État de la région de l'Ouest capitale, en charge de l'urbanisme et du logement. Depuis quelques années, le monde politique a été vraiment mentionné et rendu compte pour les étudiants de l'architecture et de l'urbanisme. L'organisation de concours internationaux, la publication récente d'un balimétro pour accompagner la convention et l'investissement de la place publique, la création d'une agence d'urbanisme en charge de l'exécution du plan du développement international sont quelques-unes des multiples initiatives qui démontrent que la qualité architecturale, au sens large du terme, est une préoccupation centrale pour le monde politique mondial. La promotion de la qualité architecturale et la diffusion d'une vraie culture d'architecture est également au centre des préoccupations pour vos architectures et en plus du bâtiment d'architecture. Depuis 2006, Avril et le Palais des Beaux-Arts organisent la programmation architecturale ici au Palais des Beaux-Arts. Et on est très content d'accueillir ce soir avec ce prix organisé par François Dupuis. Mesdames et Messieurs, je vous remercie et la palette pour le tout. L'architecture créée pour ce sujet sera une vie pour porter avec le groupe de taux comptable. Pendant la crise, il dit que les prêts mettaient une grosse ambition. Soit au Bérez, qui vend ici, un peu qualitaire comme de l'Ontario. Comme le Bérez, un dans le Bérez, a souvent des qualitaires comme le Bérez. Un autre des idées dans des études architectures pour l'architecture qui vient dans le groupe pour faire le Bérez, le Bérez de cette Big Shop International. C'est un peu de en scène, l'expérience d'architecture critique. Donc, selon nous, on devait décliner un argument de l'Asie au Glenn Merkett. L'expérience d'architecte Andrea Pino, qui est composé de Bau, il est en fait une question qui a fait en Bruxelles. Et l'économiste architecte Dietmar Eric Eberlin, dans l'architecte Sophia Architecture Bureau, dans l'Asie. C'est un peu de dus hier de klas het hoog zitten door geen geifel, maar op het laatste moment was de wille van familiale leven niet in staat om deze dingen voor te schieten. Ik heb hier zonder mee ook verder aangevoerd door de vooraanstaande ingenieur Laurentien en de beloftevolle architect Frederik Ribeer van het architecte bureau Anderlecht. En tenslotte is mijn schip aan de volgende rond architectuur-traject aan plus. Avant de procéder à cette cérémonie de prix d'architecture ce soir, pour la raison pour laquelle vous êtes tous venus ici, j'aimerais céder la parole à François Dupuis elle-même pour qu'elle nous explique les ambitions et les intentions qu'elle a eues en installant ce prix. François Dupuis. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ce soir à l'occasion de cette première édition, j'insiste, c'est une première édition du prix d'architecture et d'urbanisme de la région de cette capitale que j'ai en beaucoup d'initiatives de créer. C'est une opération qui s'inscrit dans, enfin, c'est une des 20 actions que j'ai mise en chantier depuis 2007 dans une perspective de revitaliser de façon cohérente notre urbanisme dans le jargon utilisé par mes collaborateurs et moi-même. Il s'agit de ce que j'appelle le mode de la note dite cohérence. Donc, c'est pour dire que c'est une des préoccupations premières. Il y avait un premier groupe d'actions qui était des brochures, des campagnes de presse, etc.
plus à développer la sensibilisation et la connaissance du public. Nous pensons que l'urbanisme n'est pas une affaire de spécialistes. L'urbanisme est au service de la population. Et donc, ceci doit pouvoir se l'approprier dans toutes les mesures du possible et être pleinement partie prenante de sa mise en œuvre, sa mémoire de comment on dit en Japon, je vous explique un travail de sensibilisation. Un second ensemble d'actions concerne les professionnels du secteur, les architectes, les agents immobiliers, les notaires, et nous allons faire en sorte qu'ils assument pleinement leurs responsabilités en matière d'information du public et le respect de la réglementation. Alors, il y a évidemment la rationalisation des procédures urbanistiques, ça c'est aussi pour des actes d'action qui ont généralement plus d'écho au niveau politique. Parce qu'on reproche que le produit urbanisme est avant tout de règles, il faut donc essayer d'éviter les démarches inutiles, de garantir l'efficacité du système, de garantir son uniformité d'application et sa justice, ce qui est évident. Et sans sacrifier aucune des procédures de consultation, de concertation dont nous sommes nous-mêmes assez intéressés. Alors, les deux autres piliers, qui sont l'amélioration de la gestion administrative et les questions liées à la discipline des fonctions de la gestion administrative. Alors, évidemment, comme on l'a souligné, nous avons également la volonté de soutenir l'innovation et la qualité architecturale, c'est une de nos préoccupations transversales en urbanisme. Je dirais que ça va même assez loin, c'est une des rares conditions auxquelles nous pourrons, je pense, encore dans les années qui viennent, construire un certain nombre de choses dans notre région, si nous pouvons pas garder avoir une qualité architecturale pour notre position, en particulier des travaux publics, pour les travaux des autorités publiques. Je pense que les travaux seront contestés de telle manière que nous ne pourrons pas penser si c'est une petite excuse, mais ça, ça vient encore à aller plus loin. Le Centre international pour la ville, l'architecture et le paysage, donc le CIDA, créé par la Commission communautaire française qui a déjà fait 10 ans, est un des instruments de ce soutien régional et je développe dans un article public déjà la mémoire architecturale, la réflexion, le débat. Il y a donc des actions plus spécifiques, comme nous avons vu, qui étaient peut-être structurées de façon en commun sur la densité dans la ville il y a quelques mois. Aujourd'hui, il y a la création de ce prix. Je pense qu'on a bien compris. Le prix a modestement et particulièrement pour but de favoriser l'émulation parmi les futurs jeunes architectes en leur permettant d'exprimer leur talent devant le parti professionnel et de connaître de très haute qualité. Se sont déplacés, je vous remercie pour la patience, sur le sens critique, le sens de la construction, si je puis dire, d'un jugement, et nous allons entendre en quelque façon ce qui se dit, mais je crois qu'on a compris que les élus ont passé une après-midi à beaucoup discuter, et donc pour moi c'est un excellent signe que nous avons réussi à ouvrir une piste assez dynamique. Je suis convaincu que ce sont les jeunes architectes qui reprendront le tambour et qui décideront d'avenir de notre ville. Et donc, il faut tourner toute notre attention, et je pense que ça va bien prendre place dans cette politique globale, dans ce tableau de l'Europe. Alors, nous allons remettre les prix. On a fait fonctionner notre imagination pour essayer de donner des images dans notre pays. Donc, on n'a pas placé devant les Oscars. On a pas les statuettes. On a l'inspiration pour concevoir les trophées qui viennent d'une orientation plus contemporaine, peut-être contemporaine. On va voir, vous avez vu, ce sont des cubes, pas des magies. Ce sont des cubes. Alors, parce que un petit peu poser des questions, est-ce que ce sont. Est-ce que dans cette période de la première, je vous rappelle la première, parce qu'il y a une sorte d'histoire de scène. On en fait que ça partira de ça et que ça tourne un peu plus dur. Et donc, est-ce que c'est une addition à ce réussi artiste-là? Est-ce que c'est une évocation de notre volonté, de notre imagination au pouvoir? Vous avez certainement entendu de Pavou, 68 ans. Bon, bah, je ne sais pas, est-ce que le Pavou? Il y a aussi quelque part dans un lieu lointain, généralement tout comme ça, parce qu'il y a beaucoup de monde autour, un lieu dans lequel le sommet de l'Orient se tient, ça s'appelle la Prada.
avec cette forme-là. Qu'on pourrait demander à tous les étudiants qui ont été sélectionnés, à participer de monter sur le podium, afin qu'on puisse procéder à la remise des prix et des trophées de l'année. Et est-ce qu'on pourrait également demander à Mme Stomano de nous rejoindre sur le podium pour commenter au moment que. Voilà, il y avait 18 projets au départ, 14 à la réalité, mais sachez par contre, il y a des équipes avec plusieurs participants, donc c'est un peu qu'on peut se mettre une livre de l'aide. Donc, je crois que tout le monde est là. Alors voilà, je me suis laissé dire, je peux dire ça, un peu de l'échelle, il y a beaucoup discuté et. En fait, qu'est-ce que je suis censé proclamer les trois premiers prix, sachez qu'il n'y a pas de troisième prix. C'est ça, il n'y a pas de troisième prix. Non, mais moi aussi, je viens d'apprendre, hein, parce qu'on est toujours très difficile, il n'y a rien à suivre, donc on peut pas. Donc, il n'y a pas de troisième prix, il n'y a pas de troisième prix, parce qu'il y a trois ex-échos pour le deuxième prix. Ça va? Donc,
Donc, vous m'aurez bien suivi, il y a pas de prison, ça va. Je ne fais pas des longs études de mathématiques, mais ça, ça m'est appris assez vite. Donc, je vais, dans un endroit qui est tout à fait aléatoire, vous indiquer quels sont les trois gros échos pour le deuxième prix. Je te fais ça. Bon. Il y a donc d'abord un projet de l'attendre. C'est le projet de Yannick Bonnard. C'est un projet qui concerne le numéro MB. Nord-Sud, Toulouse, la limite de second, c'est ce qu'on exprimait ici. Tout ça est un projet de Saint-Louis. C'est le projet de Sotiboul qui concerne une structure de quartier Place Albert à Saint-Gilles-Forêt. C'est encore un projet de salut, mais là, un projet avec une équipe est aussi plein de d'intérêt. Donc, Stéphanie Demelest, Eva Garcia, Laura Klaes et Eugénie Brown pour un projet intitulé Vite au Vauvesin B à Anderlecht. Donc, évidemment, le cube est symbolique. Il est très coupant, vous avez vraiment votre compte, votre compte, votre compte, votre compte, votre compte. Il y a d'autres prix, donc, il y a d'autres prix. Et notamment, c'est l'art de l'histoire, donc, c'est pas de problème. C'est maintenant, si j'ai été une petite personne. Et donc, c'est comme le premier prix, c'est ça. Ah. Eh bien, je dis, ben, c'est vrai. De X-Race tout de même par un student from the group, VB, de Jacobi. James Richardson. Both of the Stephen Asin. Je vous propose un don spécial pour tous les lauréats, puisqu'on a voulu les appeler des lauréats. Donc, dans le jargon des Oscars, c'est des nominés, mais enfin, nous disons des lauréats. Ils vont tous partir avec leur cube souvenir, bien entendu, mais il y a un seul cube où il y a un grand 1 dessus. Hein. Bon, c'est quand même logique, hein. Premier prix, X-Prix. Voilà. Je pense que.
que Madame la Présidente pourrait nous dire quelques mots sur les raisons du choix. Voilà, je vais vous donner. Bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse, très honorée aussi d'avoir été présidente de ce jury, de ce premier prix des étudiants de la région Bruxelles. Je crois que plusieurs d'entre les membres du jury sont d'ailleurs enseignants, comme je le suis moi-même, ce qui invite évidemment architecte, donc ce qui invite un double plaisir à faire partie de ce genre d'événement, surtout quand il démarre. Et je crois qu'on peut souhaiter un bel avenir. Je présenterai quelques remarques du jury, peut-être au nom de l'ensemble de ses membres. En français, je suis navrée, je ne suis pas néerlandophone, mais je traduirai peut-être en anglais, comme vous l'avez fait, Madame la Ministre, pour le lauréat, les quelques mots que je dirais au sujet de son projet. D'une manière générale, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté. On peut résumer peut-être notre parti pris par rapport à ce. C'est lauréat en deux mots, plus que les projets eux-mêmes, évidemment ce sont les projets d'étudiants, de personnalités architecturales en devenir. On a préféré, je crois, privilégier des attitudes, des intentions et des positions sur l'architecture qui nous semblaient refléter une palette d'attitudes justement. Que les architectes peuvent adopter aujourd'hui par rapport aux projets et aux problèmes trop divers que pose à la profession la condition actuelle des villes et de la profession. Donc, en quelques mots, je commencerai peut-être par, comme vous l'avez fait, Madame, par les deuxièmes prix et dans le même ordre, le projet de Yannick, c'est ça. C'était anonyme, donc nous découvrons vos noms en même temps que l'annonce. Il nous a paru témoigner d'une belle maturité de dessin et de discours au service d'une intention urbaine forte, hein, comment implanter une sorte de condensateur culturel en rapport lointain avec la métropole proche. Donc, ça nous a beaucoup intéressé d'entendre que ce genre de problème pouvait être au cœur d'une réflexion d'école qui a discuté avec quelque chose de ce passé. Ensuite, un projet cette fois beaucoup plus architectural dans son école, le second prix, j'ai oublié votre prénom. Voilà, qui lui nous a interpellé par la manière dont vous avez mis en connexion toutes les échelles de la ville, finalement, dans ce petit bâtiment d'angle qui était une forme de déclaration sur être ensemble dans la ville. Voilà ce que je peux dire très brièvement, bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres discussions, on pourra d'ailleurs en discuter après si vous voulez. Le troisième, deuxième prix, cette fois, c'était plutôt. Une idée du travail collectif des architectes autour des problèmes urbains larges. Donc, on a été très impressionnés par la manière dont ces quatre jeunes filles ont présenté leur travail, ont travaillé ensemble, ont élaboré une méthode d'approche dans un territoire complexe, un collectif égalitaire apparemment. Qui a produit une sorte de drame pour ensuite que des projets d'architecture viennent se greffer sur une réflexion sur l'espace public très élaborée. Et puis, last but not least, Gaines, je crois que nous étions unanimes à trouver qu'il y avait vraiment un nouvel formel architectural, une démarche qui était déjà très particulière, très propre, très spécifique. À travers les deux projets qu'il a montrés, il n'a pas montré qu'un seul projet, mais deux. Donc vraiment, je crois qu'on a voulu récompenser une personnalité naissante, architecturale, qui traite toutes ces questions architecturales très dans l'intérieur de la discipline, avec une sorte de recherche un petit peu
obsessionnel sur la génération des formes, et c'est ce qui a de pouvoir apporter avant tout notre tradition. I'll just say English, what I just said about you in French. Oh, si vous voulez, oui. Je me suis dit à plus, où est-ce qu'il est? Non, mais c'est clair, I can say a few words in English to Jay, unless you insist on having a... you are. Okay. So you're just saying that the jury was unanimous to acknowledge and recognize a new nascent architectural personality with a very distinctive universe, which was quite obvious through the two projects that you presented, working very much in the field of the discipline of architecture, manipulating elements with some already present systems, and that's what we are all agreed to acknowledge and award. So, thank you very much. Thank you very much for the contest owner for this expert explanation you gave us. Juste une petite petite avis. C'est vrai que je n'ai rien dit là-dessus parce que ça m'a. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté, mais à la fin, pour nous, le résultat était tout à fait évident. Donc, il y avait vraiment ces quatre projets, ou plutôt ces quatre personnes, ces quatre équipes qui se détachaient. Et plutôt que de choisir, de trancher, de discuter encore, on a préféré, et nous sommes très reconnaissants que ça ait été accepté par Madame la ministre, de. Proposer plutôt un résultat plus généreux et qui sera donc appuyé et accepté. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc le président m'a même donné le plaisir de signer ce diplôme comme ça, pour que je vous comme ça, sera authentifié, pas de votre possibilité, et de votre raison, tout à fait pour le coup de jour, puisque je vous remercie de vous remercier. Donc, mais on va faire ça à l'occasion du reste de la vidéo que je vous invite à prendre tous ensemble avec nous. Tout ça donc. Voilà, et bien dans 6 mois en face. Dans 6 mois en face. Merci beaucoup.
Madame la ministre, mesdames et messieurs, dames et messieurs, ik heb het genoegen u vanavond te verwelkomen op de derde en dan ook de laatste lezing van dit seizoen, georganiseerd op het Instituut en samengesteld tussen het Instituut van de Architecten, het Verenigd van de Kunsten en de Orde van Architecten. De lezing van vandaag gaat in de prijs voor de architectuur, de Instituut van de Kunsten. Een initiatief dat genomen is door de staatssecretaris van Huisvesting en Stedenbouw van de Cet après-midi, nous avons examiné avec un jury international de spécialistes tels que la critique de l'architecture Françoise Romano, l'architecte autrichien Dietmar Eberle et l'architecte italien Andrea Bruno, pour ne pas oublier l'ingénieur Laurent Mou. Nous avons nous avons examiné toute une série de projets d'architecture de différentes écoles bruxelloises. Une Geipel, devait normalement présider le jury de ce prix d'architecture, mais pour des raisons familiales, il n'a pas pu assister au jury même. Il nous fait néanmoins l'honneur de sa présence ce soir pour présenter les projets qu'il réalise avec son bureau des Lunes. Parisien, Lille.
Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs. Je suis très honoré de vous inviter ici. Comme je l'ai dit, malheureusement, je ne pouvais pas venir pour le sourire. C'était triste pour moi, mais je suis très content d'être ici. Dans ce lieu que je connaissais pas spécifiquement, mais que je connaissais de Renan et dans cette ville de Bruxelles, j'ai eu en fait très rarement l'occasion d'y être, et une ville que j'aime beaucoup, beaucoup, pour la cité, pour une certaine atmosphère que je n'avais pas qualifié, mais qui, à chaque fois qu'il m'attire, qui me parle beaucoup. Alors, la conférence est venue, qui s'appelle AVR14, c'est le dernier projet qu'on a réalisé, bien que ce soit un grand projet. Ce n'est pas un métro, mais en fait, c'était peut-être un peu. Donc, je vais parler de. Trois procès. Avant, je voudrais juste un peu introduire en tant que titre, parce que évidemment, ce n'est pas un travail historique, c'est un travail de l'équipe, et pour nous, le travail de l'équipe, c'est quelque chose qui est très important. Je suis désolé pour cette image-là, mais après, je ne sais pas si ça ne va pas arriver trop, cette image. Pour mon compte qu'on doit faire en commun. Alors, en fait, notre équipe, d'abord, Lynn, c'est mon travail, c'est avec mon associé qui est Lynn, qui est en Rome. Et autour de cette équipe qui est installée à Paris, à Dallas, et qui travaille dans le domaine de l'architecture et des urbanismes, il y a un cercle interdisciplinaire, des consultants, des inspirateurs, des complices. Et c'est vraiment très important pour nous, c'est évidemment le travail interdisciplinaire, on peut dire, il est demandé dans chaque concours. Mais pour nous, je pense que c'est un peu plus, parce que c'est un cercle avec lequel on travaille depuis maintenant une dizaine d'années. Et ce qui est important, c'est qu'on ne travaille pas d'une façon isolée avec l'un ou l'autre, mais on travaille avec tout le monde, et surtout tout le monde travaille aussi entre eux. Alors, je ne vais pas les nommer tous, mais je vais les nommer peut-être 3 ou 4. Joseph Kahneman, c'est le sort de Paris, qui est présent dans tout notre show. Lui, c'est Orta, artiste, qui est présent dans pas mal de procès, ou Bernard Sauvé, qui est en train de tout cœur qui a la mode. Moi qui suis l'enseignant de deux et de trois procès. Après, il y a une deuxième chose, c'est lire, c'est un laboratoire, une personne qui est tout talent, qui s'opérise, et qui aura aussi un commencement de cours à partir de la fin de l'année. Et cette interaction entre la pratique et la recherche, c'est pour nous quelque chose que c'est la deuxième chose qui caractérise comme peut-être le mode de fonctionnement. Alors, ce mode de fonctionnement, ce n'est pas forcément pour projet, c'est-à-dire que c'est l'équipe en particulier. On ne travaille pas uniquement sur des projets, mais on travaille presque plus sur des thématiques, c'est-à-dire qu'on fait des workshops, on fait des séminaires, 3 fois par an. À travers le passé, mais il manque ce type de thématique qui va se présenter, mais d'une façon très facile, trois. Ça me semble que trois qui sont peut-être les plus difficiles à faire dans les prochaines questions qui sont présentées. Alors, le premier thème, c'est le temps. On considère évidemment que c'est pas nous,
avec les architectures, l'urbanisme, notre environnement, l'architecture ne connaissant pas des sols techniques, mais ils sont insérés dans une multitude de cycles, sans début et sans fin. Il y a peut-être des cycles, mais surtout, ce qui est important, c'est de voir la continuité. L'architecture, selon nous, dans ces cas-là, ça se trouve dans le croisement d'un côté entre l'accumulation et de l'autre côté du cycle. L'accumulation, je dirais que c'est quelque chose avec lequel on est de toute façon beaucoup confronté. C'est l'idée d'une accumulation. On pourrait y avoir, par exemple, pour faire une considération du patrimoine, c'est-à-dire que la densification, la solidification, mais c'est aussi une accumulation. Et de l'autre côté, c'est peut-être des réactions plus cycliques, c'est-à-dire des conseils qui, soudainement, vont répondre à une demande possible, qui, à un moment donné, peut-être après, elle va disparaître. Et je crois que ces deux pôles sont certainement pas les polémiques, mais sont qui montrent pour nous autant d'une côté cette question patrimoniale, et de l'autre côté, peut-être plutôt une question de transformation, de mutation, de changement. Alors, voir l'architecture comme des sociétés infinies questionne forcément aussi le mode de conception et de fabrication, on va les voir tout à l'heure dans deux procès, mais aussi la relation entre l'action et l'espace, entre ce qui est permanent et ce qui est fluide ou ce qui peut changer. Je pense que dans tous les procès, on peut faire dans tous les procès cette distinction entre les parties qui sont plutôt des parties solides, qui vont se encore plus solidifier, et de l'autre côté, les parties qui sont. Le deuxième thème que je nomme situation, mais je pourrais le nommer aussi différemment. Alors, on pense que l'architecture, c'est l'état commun, mais bien sûr, temporairement, mais aussi spatialement. Ça veut dire construire, c'est prendre forcément la responsabilité pour un lieu, et construire, c'est un travail sur l'interaction et l'expérience entre des espaces à des espaces différents. C'est-à-dire, comme on travaille dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, on travaille malheureusement quand même très souvent, soit dans l'échelle de l'architecture ou dans l'échelle de l'urbanisme. Et dans ces deux échelles, après il y a l'échelle du territoire, en procès sur 400 km² à l'extérieur de Paris. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais dans l'échelle de l'architecture, on considère l'objet. Et donc, dans l'échelle de l'urbanisme, on considère tout ce qui est entre eux. Nous, on pense que peut-être c'est intéressant dans tous les échelles de voir chaque fois tous les autres échelles avec, c'est-à-dire de la série, les bâtiments, vers la rue, de la rue, vers les villes, vers les quartiers, et au-delà, vers les paysages, vers les territoires. Peut-être que vous allez le sentir dans ces procès que ce qui nous intéresse presque autant que l'objet de l'architecture, c'est cette interface entre l'objet, entre les bâtiments, et d'un côté, les choses sont plus petites à l'intérieur et de l'autre côté, les choses sont plus grandes à l'intérieur de la ville et de l'au-delà. Et justement, dans cette crise entre tous les systèmes, on peut sentir la possibilité peut-être de dépasser les dichotomies, les différences comme objet versus complexe, c'est une sorte de série intérieure vers l'extérieur, une forme. Ça, c'est
troisième terme, c'est le différence des traversions. Non, plutôt traversions, mais traversions, ça fait un tableau qui, pour nous, est la chance de la rencontre de ce système. Donc, il y a des trucs qui nous permettent de faire ça. Des machines, mais ça, c'est vraiment un aspect de leitmotiv pour notre travail. Je trouve très, très intéressant ici cette gradation où c'est différent, encore en fait, c'est différent de celle. Vous voyez ici, probablement c'est un monastère, ou simplement c'est un monastère en Russie. Vous voyez au fond des paysages, vous voyez devant nous un petit peu à chaud, ça peut être l'hiver. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a même un lion qui marche à droite. Et à l'intérieur de cet espace, il y a un public, une espèce de bureau, une espèce d'espace plus petit qu'on voit dans une maquillage juste à l'arrière. Il y a la lumière, c'est pas le meuble qui fait la lumière, mais il faut que le meuble dit ici, il y a une qualité beaucoup plus spécifique. C'est le bureau de Serge Perron. Et au-delà, on s'imagine le paysage qui est ouvert, c'est-à-dire ici, de fait, il y a au moins trois secteurs qui entrent en interaction. C'est pas uniquement maintenant une question de scène, mais c'est aussi une question de définition, c'est-à-dire. On est très intéressé de s'imaginer que les bâtiments de cette structure, de cette urbaine, ne sont pas en urbaine, mais proposent des niveaux très différents de détermination, d'ouverture, de spécification, de détail, de l'autre côté plutôt tribus, ou quelque chose qui est pratiquement pas tout. C'est des spécifiques dans le scénario. Et dans cette installation, il y a peut-être les clés en fait. De clés de l'architecture qui pourraient tout à l'heure adapter de toutes ces communes. Voilà, maintenant je voudrais vous parler de trois procès récents. Je présente ces trois procès d'architecture puisque c'est trois sujets. Ça me semble trop difficile de mélanger des procès d'architecture avec des procès urbains. En fait, ce sera un petit procès mobile, en vraiment un tout petit procès, après la Cité internationale du design sur laquelle je travaille actuellement en Saint-Étienne dans le centre de la France. Et le troisième procès qui est là, j'ai été d'abord, c'est un procès qui vient de se réaliser, mais qui est un procès qui est passé. C'est un mot qui a commencé, c'est un mot qui va terminer. Alors, le premier. La première intervention, Synchrone, on l'a réalisé pour une commission, ce n'était pas vraiment c'était une commission pour la Marine Nationale Galerie de Berlin, comme c'est tout ce que la Marine Nationale Galerie construite par Louis Sandero, et c'est pour un artiste qui est un jeune artiste allemand. Très connu, c'est Nicolai, pour les gens qui connaissent plutôt des arts visuels. Elle va un autre pour ceux qui sont plutôt dans les fonds, dans la musique. Moi, je connais moins la vie. Et c'est un truc qui travaille justement sur les limites entre les différentes formes de l'art, entre les différentes formes d'expression. La commission au début n'est pas allée vers nous, elle est allée directement vers l'artiste pour faire une œuvre musicale qui devrait être performée dans la Marine Nationale Galerie. L'artiste de la vie, moi je ne mettais pas dans cet espace qui est magnifique, mais je ne mettais pas performer quelque chose là-dedans. Parce que besoin, dans l'environnement, c'est besoin de quelque chose à l'intérieur de cet espace universel. Une espèce d'environnement sans secours qui lui-même qui va après performer. En fait, pourquoi elle a dit ça? Parce que ça, c'est une photo qui s'est prise pendant un concert, malheureusement, c'est très simple, qui n'est pas le sien. Une place Nicolas, il est au centre, en bas. C'est un concert qu'il a donné en 2003 au centre Georges Pompidou.
Et il y avait effectivement la séparation entre les sons qu'on ne peut pas entendre, l'image qui sont des grandes projections qui sont à plat derrière nous, et l'artiste qui est aussi quelque part, mais qui est entre des noms. Et justement, cette séparation, c'est les différents thèmes de ce qui sont médiums. Je voulais que passer et il a passé partie de cette mission vers nous pour qu'on travaille ensemble sur le monde. Alors, en plus, comme nous avons une astuce, alors vous ne pouvez pas le faire tout seul, mais vous pouvez le faire avec l'ensemble de ma gouttes qui est au Japon. Ce qui est quelque chose de démontable, transportable, en plus, c'est l'état d'être démontable, transportable, c'est quelque chose d'important pour vous, pour sentir que ce n'est pas un espace fixe, mais que ce n'est pas du tout un espace qui va arriver, qui va après disparaître. Alors, on s'est cherché dans beaucoup de directions, mais très vite, on est venu sur le cristal, c'est un cristal précis. Un cristal qui aurait la qualité d'un côté d'être au moins symétrique, c'est-à-dire symétrique dans le sens qu'il y a quatre fois le même temps, qu'il y a quatre fois le même chemin, mais de l'autre côté, c'est une symétrie que quand vous êtes dans l'espace, vous ne pouvez pas vous ne pouvez jamais voir cette symétrie. C'est un peu comme Madame la ministre qui vous fait parler du cube. Je crois que c'est bien compris, un cube c'est quelque chose qu'on peut jamais voir plus que trois côtés. Alors ici, c'est que ça, on ne peut jamais voir la symétrie, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Alors pour nous, c'était une expérience extraordinaire de travailler avec cet espace universel, puisqu'en plus, il ne fallait pas uniquement travailler pour cet espace, mais il fallait aussi faire l'objet à l'intérieur de la loi nationale. Alors, l'objet, avant, je dis que c'est un cristal, comme il doit être montable, c'est une structure qu'on a développée avec Bernard Sauvet, une structure très fine, tubulaire, qui fait le premier squelette, et à l'intérieur de ce premier squelette, il y a des pièces, sont des pièces en plus, hein, sont une matière qui est blanche, mais qu'on peut travailler, qui est très rigide, très résistante, mais qu'on peut travailler pour, d'un côté, combiner le tubulaire avec des pans plans. Et des pans plans, ça, c'est des panneaux très rigides, quelque chose de savoir pourquoi ils sont très rigides, en nid d'abeille en aluminium, avec une couverture qui va faire translucide. C'est un autre détail. Et après, ce séquen, en outre, on met des facteurs. C'est des facteurs qui pressent, mais ce n'est pas des pièces qui font du son, c'est des pièces qui mettent la peau en vibration, c'est-à-dire la peau, elle commence à devenir un instrument musical. De l'autre côté, cette peau en honeycomb devient comme des millions de light pipes, c'est-à-dire qu'ils dirigent la lumière de l'extérieur à l'intérieur, et comme ça, c'est créé en fait comme un instrument optico-musical, en fait, cet univers que l'artiste utilise pour faire cette performance. Ici, vous voyez les pièces, en fait, toute la construction a été faite mètres de large, 5 mètres de haut, c'est un volume qui n'est pas très fréquent, qui peut contenir 50 personnes, mais en fait c'est beaucoup mieux d'être tout seul à l'intérieur. Ici vous voyez, j'ai fait des photos ni les films ne transportent vraiment les choses, parce que ce qui était vraiment important, c'est d'avoir cet univers dans lequel on se trouve, et qui après, qui a aussi deux niveaux optiques, mais aussi deux niveaux, c'est pas la musique. Il fallait entendre un tout petit peu, c'est pas ce qu'il y a des sons.
avant la vidéo. Ce qui est important pour le père Nicolas, c'est surtout pour cette pièce et pour cette construction, pour cette situation, c'est d'une côté électrique, qui va pâtisser, pas quelque chose qui va pâtisser dans le temps, mais elle réagit par rapport à l'espace qui l'entoure. Et la vie pour chaque espace qui l'entoure est faite une composition différente. Car ce qui va se passer après à l'intérieur, là ça devient un peu trop technique, en plus moi je n'ai pas tout compris dans cette technique qui est commencée avec toute une équipe de photographie. C'est qu'il y a une partition qui est une partition fixe, mais cette partition fixe elle réagit après à travers les fonctions. Sur les mouvements des spectateurs qui sont à l'antenne. Ça, c'est la partition du temps, ça, c'est l'idée de partition en national de design, c'est une institution, je pourrais dire, petite en français, c'est le dire en France, il y a des institutions qui sont créées, qui se créent de toutes pièces, sur impulsion de différents effets de niveau politique. La société du design est virée d'abord un concours émis par le ministre de la Culture. À Paris, pour cette nouvelle institution qui devrait promouvoir, travailler sur toutes les facettes du design, et certainement avec ça aussi, pour faire la concurrence, pour faire un contrepoids à d'autres sites du design, à d'autres sites où le design est considéré comme quelque chose qui est important, culturellement, et même économiquement, comme Montréal, ce concours, il y avait trois villes qui étaient en liste, Paris, Lyon, Saint-Étienne, qui était la ville qui n'avait aucune chance parce que c'est une ville à peu près dans les montagnes derrière Lyon, et Lyon qui est une ville minière, d'une côté minière et de l'autre côté de fabrication d'or. En fait, c'est elle qui a eu. Gagner ce concours. Pourquoi? Parce que cette ville qui pouvait prétendre que la notion de design d'une façon très archaïque, mais d'une façon très précise, existait depuis très longtemps. Car sans les termes, c'est très connu pour ses manufactures à côté de ce mine, de charbon, à côté de la priorité. Il y avait aussi des manufactures, et dans ces manufactures, on pouvait acheter beaucoup de choses par catalogue, telles que ça se fait aujourd'hui d'une façon très classique, mais à l'époque, c'était les catalogues des manufactures de fabrication étaient moins
a donc des là des catalogues comme ça et des produits qui sont la réponse pourquoi l'école d'art sans lesquelles était très connue est devenue très vite une école d'art et de design. Et dans cette école, il y avait deux sphères qui nous sont d'ailleurs inspirées après pour le concours. Et pourquoi ces deux sphères dans cette école d'art qui ont fait tout, parce que là dedans il y avait le sartre, dans le sol de sartre, il y avait des oiseaux. Parce que les gens qui étaient les étudiants dans l'école d'art, qui ne sont pas devenus des vrais artistes, ils sont devenus quand même des décorateurs pour ces différents éléments qui étaient après fabriqués dans les manufactures. Et à travers de ça, il y avait aussi à peu près une centaine d'années mon dictionnaire qui a commencé à faire un musée et ce musée. De l'art et de l'industrie, où il voulait justement mettre ensemble, mettre en contact la sphère économique, la sphère industrielle avec la sphère de l'art. Et pour que les gens aient s'inspirent de ça, les artistes de l'industrie, à l'époque c'était avec le capitalisme, ce mouvement c'était peut-être, parce que ça a commencé à être copié, mais c'est une réalité, mais aussi, pour lui, c'était très important que le champ de l'extérieur s'inspirait du monde de l'art. Et pendant quelques années, il avait même traité les œuvres d'art au champ de l'extérieur qui pouvaient s'inspirer pour faire cette question. Ça, pour la petite histoire qui faisait que le champ de l'extérieur, qui était une ville très dure, donc la ville noire, il y a aussi cette filière artistique de design qui confond, contraste cette ville. Aujourd'hui, dans cette ville, il y a le musée le plus connu pour la collection de design en Europe. Et en France, je crois que c'est la troisième collection pour l'art contemporain. Alors, cette idée du design, pour nous, c'était quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est pour ça qu'on a participé au concours, mais aussi quelque chose qui était extrêmement difficile. Aujourd'hui, encore très difficile, c'est qu'on n'avait pratiquement pas de programme parce que c'est une institution qui s'est créée et on ne sait pas, je crois, tout le monde, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'ils vont être dans notre activité. Alors, évidemment, il y a des points comme les mêmes, il y a des points de l'enseignement, il y a des points de la décision, il y a des de la recherche, il y a les pôles de la matérialité. Mais qui vont être les facteurs qui vont venir ici, qui vont être les différents aspects du design, c'est-à-dire aujourd'hui des questions plus complexes, c'est quelque chose qui reste ouvert. Et par rapport à ça, il fallait développer en quatre. Côté qui donne assez de visibilité et de temps pour que cette institution ait de pouvoir être claire, et de l'autre côté, assez de souplesse et d'ouverture pour qu'elle puisse se développer sans être contrainte par les bâtiments de suivre une trace bien précise. Ça en plus, on nous a donné un site pour des concours qui étaient assez étranges parce qu'ils étaient complètement construits. Bien que les programmes disaient qu'il fallait quelque chose d'extrêmement souple et quelque chose d'extrêmement flexible. Et en grande partie aussi de cet espace qui devait être cet espace qui pouvait être grand, qu'on pouvait agrandir, qu'on pouvait faire plus petit, qu'on pouvait diviser. Et bon, ça c'est une photo historique, mais ça c'est la manufacture d'art. Avec, vous voyez, un peu des gens, des jardins, pas très bien, mais avec tous ces bâtiments, tous ces bâtiments, tous ces
d'un côté, c'est extrêmement fort, extrêmement intéressant, mais aussi de très très dur. Aussi dur dans la vie, parce que, en fait, cette manufacture, elle se trouve pratiquement dans le centre de la vie, mais elle était vue par personne d'autre que des ouvriers qui ont travaillé. Comme c'était une manufacture d'art, elle était clôturée autour, et c'était comme une tache noire, comme Thomas était comme le centre dans le film. Parce que quand on a travaillé déjà dans les concours, on a compris qu'on ne pouvait pas rentrer à Davao à Paris. Il faut un peu de respect, il fallait comprendre d'abord comment il fallait comprendre ce qui était réellement le plus tard dans la vie et qu'est-ce qui faisait ce milieu par rapport à la vie. La cité, forcément, c'est l'institution qui doit se nourrir, qui doit agir sur la vie et qui doit prendre les énergies de la vie pour pouvoir fonctionner. Et c'est là où on a compris que pour tout le monde, dans la vie, c'était très important ce lieu, et en même temps, il était complètement en dehors de leur statut physique. Vous voyez l'état actuel, assez abandonné, mais ce n'est pas actuel parce qu'il y a une autre construction. En fait, ce qu'on a proposé, c'était de ne pas forcément mettre maintenant les différents programmes dans les différents bâtiments, mais de plutôt de dire on garde la plus grande partie du bâtiment et on ne propose pas des fonctions précises. On ne dit pas ici il y a les bureaux, ici il y a les toiles, ici il y a les ateliers. Mais on la propose plutôt dans les vieux bâtiments de la manufacture. Des situations, vous savez, des grands espaces qui sont très équipés, après vous avez d'autres espaces qui sont très équipés, mais équipés de façon classique pour quelque chose. Et après, on a installé, on a proposé un bâtiment qui n'est pas vraiment un bâtiment qu'on pourrait plutôt dire une situation, qu'on appelle la platine, qui est encore très plat. C'est 200 mètres de long sur 32 mètres de large qui est couvert par une peau active, une peau qui change et une peau qui a des qualités très différentes, mais aussi c'est quelque chose qui, à l'intérieur, qui a des qualités climatiques très différentes. C'est-à-dire au centre, à peu près de cette forme de cette platine, vous avez la température qui est la température de l'extérieur, qui est tout couvert. C'est pas vraiment protégé, et après vous avez d'autres parties qui sont des parties très protégées et d'autres parties qui sont plutôt un peu entre les deux. Alors, au lieu de proposer un programme fixe à l'intérieur d'une architecture classique, mais plutôt proposer une gamme d'espace avec des qualités différentes, on a dit la platine au milieu de tout ça. Ça va, les connecteurs et les catalyseurs dans lesquels on peut se revenir pour après de nouveau reconnecter d'une façon différente selon les processus, selon l'évolution de la cité. Ici, vous voyez les plans un peu plus précis avec la platine qui a 42 sorties, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui n'est pas un bâtiment avec une entrée ou avec trois entrées ou avec quatre entrées. Donc c'est plutôt une situation qui se réunit d'une façon tout à fait différente avec l'extérieur ou avec les bâtiments qui l'entourent. Alors à l'intérieur de la platine, il y a quand même, certains points fixes. Et sur l'amphithéâtre, c'est pratiquement impossible de faire un amphithéâtre en qualité. Ils ont essayé ça dans une école d'architecture à Rouen, ça n'a vraiment pas marché. Ça veut dire qu'il y a certains espaces qui ont des formes de pratiquement très précises, une géométrie très précise. Mais mis à part de ça, par exemple, dans cette platine, vous savez, au milieu,
ce qu'on appelle l'Agora, où il y a actuellement trois photos de toutes grandes, avec un café qui doit être un café qui ouvrait à 24h24. Il y a un espace d'exposition, il y a un troisième espace qui est actuellement un espace en devenir. Et les choses plus, c'est des espaces qui sont climatiquement déterminés, contrôlés, mais pas vraiment. C'est des plateaux d'expérimentation. Et après, vous avez des espaces qui sont plus contrôlés. D'un côté, l'amphithéâtre vers moi, et de l'autre côté, la médiathèque matérialité. Alors, c'est un projet qui dure maintenant depuis 2004. En 2004, c'est la première fois que ce site s'est ouvert à la population, c'est-à-dire que la population de Saint-Étienne pouvait voir les lieux, et nous, on a proposé d'installer de ça tout de suite, des choses, ou d'activer de ça tout de suite des éléments sur le site qui pouvaient, d'un côté, être des éléments que les visiteurs, que les gens de l'extérieur voient. De l'autre côté, on peut y aller pour voir l'évolution, mais aussi pour avoir des éléments qui peuvent tester comment cette institution va commencer à se mettre en route et comment elle va travailler dans le temps. Alors, cet élément, cet observatoire qu'on a monté l'année dernière, c'est une tour. En fait, pourquoi il est comme ça? Il était comme ça parce que dans le concours, il n'y avait pas une tour. Personne ne voulait une tour. Mais nous, on a plutôt proposé un échafaudage. C'est quelque chose d'éphémère qui va arriver. C'est un premier élément avant que tout le reste arrive. C'est le premier élément qui arrive pour d'un côté voir et de l'autre côté pour voir qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est cette institution en arrive. Et quand on a montré les images et tout, mon mari m'a dit non, c'est des éléments-là, c'est le monde, on veut les garder. Et on est arrivé à les faire presque comme si ça avait un spectacle d'art. Le reste, on fait tout ça. Et ça, c'est des éléments qui sont vraiment en train de construction pour que ce soit du monde. Le deuxième élément, c'est une halle qui était perdue, qui aurait dû être démolie pour le procès, qu'on a gardé, on a trouvé ça une halle qui est magnifique, qu'on appelle la fabrique Champoux, parce qu'elle fait 70 mètres sur 70 mètres. Ici, avec 200 000 euros, on n'a pas démoli, mais on a juste nettoyé un peu, on a brûlé l'électricité, on a mis très peu de choses. Et la dernière biennale de design de Saint-Étienne, qui commence à être assez connue, là-dedans, ce qui a fait que le site qui commence à vraiment rentrer dans la mentalité de la ville, et même au-delà, que les gens commencent à connaître où pourra mieux cette partie. Maintenant, peut-être encore juste trois mots pour la platine. En fait, la platine, c'est quoi? C'est un espace qu'on pourrait appeler un mono-espace, c'est un espace qu'on pourrait, comme c'est dit tout à l'heure, qu'on ne voudrait pas comme un bâtiment, on ne voudrait pas dire c'était dans la cité, c'était dans la platine comme bâtiment. La platine, c'est une situation qui d'une côté, qui a différentes qualités, mais qui doit aussi pouvoir changer ses qualités. C'est pour ça qu'on a, que la construction, c'est une double corbeille, c'est une structure extrêmement fine en acier, avec une portée libre de 32 mètres et en longueur de 200 mètres, avec ce qu'on appelle des fibres de séparation. Donc, ça, c'est une maquette. Ici, elle est en construction avec la tour derrière, ça c'est juste une croix entière avec l'amphithéâtre qui est au. Ici, vous voyez la peau, la luminosité, et là-haut, c'est surtout ça qui est intéressant, ça c'est la température, bien que ici,
les roses, il faut les lire comme ceux des saunes qui sont pratiquement pas protégés comme l'agora. Et les grimaces, les pleurs, c'est des saunes qui sont un peu chauffées, mais qui ont très peu, qui ont besoin de très peu d'énergie, parce qu'on pense qu'ils ont besoin de très peu de contrôle. Et après, il y a d'autres saunes qui sont beaucoup plus précises et qui sont complètement contrôlées. Alors, il faudrait que j'insiste un peu là-dessus, parce que ça répond l'idée que ce sont les, au début de ma conférence, qu'on travaille aussi sur des aspects de hétérogénéité, de dégradation, de diversité. Parce que c'est grave aujourd'hui avec les considérations du développement durable, de l'économie d'énergie. D'un côté, évidemment, il faut concevoir des bâtiments pour qu'ils gardent l'énergie, mais il faut peut-être aussi réfléchir à non-action, à non-usage. Qu'est-ce que chaque usage a besoin de tous les contrôles, de tous les transports, de tout autre de la même ambiance, ou est-ce que peut-être les bâtiments ne peuvent pas profiter justement de cette différence de condition. Et par rapport à ça, on a travaillé ici avec Bernard Sobeck et avec France Solar, qui sont vraiment deux cabinets. Et tous les temps cela, qui sont deux personnes vraiment fantastiques pour tout ces ça et certainement après aussi pour les communiquer aux maîtres d'ouvrage, aux meilleurs, à la mairie, aux différents acteurs, pour qu'ils acceptent, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils le veulent, parce que ça ne sert à rien de leur proposer une idéologie avec laquelle ils ne font rien. Je ne pense pas que c'est une idéologie, en fait, c'est un outil, c'est quelque chose qu'ils pratiquent. Et qui nous commence. Maintenant, je vais passer un peu là-dessus. Je vais procéder pour arriver au dernier, à l'âge de 14. C'est un peu trop de temps. Bon, ça, c'est comme il y a des grands espaces prédéfinis, on travaille avec les différentes tailles, ça veut dire que c'est certain de devenir des différentes tailles dans le sujet de la vente. Donc, on se met à l'intérieur de ces grands espaces qui sont peut-être de temps en temps un peu froides, de temps en temps un peu chaudes. Et après, des cellules mobiles qu'on peut déplacer là où on en a besoin pour pouvoir faire des choses avec les grands espaces, mais tout en relation avec des choses plus performante pour se récupérer ou pour guider à travers ce truc de performance. Tout ça. Voilà, ça c'est une simulation. Ça c'est un des deux plateaux d'expérimentation avec cette platine est là, c'est pour actif au-dessus. Il y a après une plateforme qui est suspendue sur un petit canadien. C'est bien pour le climatique parce qu'on peut refroidir, on peut chauffer. Climatiquement, c'est assez favorable. Et en même temps, cette plateforme suspendue permet d'avoir toute l'alimentation par les bas. Et elle permet aussi une très grande flexibilité que l'exécutif, par exemple, en fait, par plugin, il peut se mettre à n'importe quelle situation ou fonction. Voilà, et ça, c'est les deux bâtiments qui sont, en partie, qui sont vraiment impressionnants, qui sont très super, c'est une architecture assez massifiée, c'est une architecture très forte, une architecture. Militaire, ces bâtiments qu'on appelle les bâtiments de l'horloge, malheureusement, ce n'est plus vraiment des bâtiments de l'horloge parce qu'ils ont volé l'horloge qui était là-haut, c'est le mec le noir. Mais c'est quelque chose qui dit vraiment que c'est une institution, mais en fait, ce n'était pas du tout. C'était un bâtiment à l'intérieur avec des poteaux en fond, c'était une salle de machine magnifique dans laquelle aujourd'hui, qu'on utilise de nouveau dans sa grande flexibilité. Bon, ça, c'est ce qu'on a découvert quand on a commencé à déposer notre liste dans sa maturité. Voilà, c'est
le dernier prophète, c'était le prophète qui était annoncé, l'âge de 14. Alors, l'âge de 14, ça c'est quelque chose complètement différent. Mais en même temps, il y a aussi des couleurs où, au moment où on se dit, mais est-ce qu'on commence à être maintenant dans l'espace de tête de toutes les métiers? Parce que c'est la transformation de la base sous-marine de son aspect en un milieu urbain. Là, il faut dire que c'est un prophète qui n'a pas commencé par nous. De toute façon, l'histoire de la base sous-marine de Saint-Nazaire est assez terrible. En trois mois, Saint-Nazaire, c'était la ville en France qui était le point de départ pour toutes les lignes transatlantiques pour l'Amérique du Sud. Et il y avait un magnifique pont, vous voyez le bassin ici, et ce pont, il avait une espèce de décroché. Autour, il y avait des bâtiments, et ce décroché, c'est que la cale où partaient les bateaux vers l'Amérique du Sud. Et cette cale, elle avait exactement la taille du modèle de la gare de Saint-Coq, de la gare de Saint-Allemagne, pour leur base sous-marine. C'est pour ça que les bases sous-marines, normalement, ils ne sont jamais dans les îles, ils sont toujours quelque part sur les extérieurs à l'extérieur. Comme ce bassin, il existait déjà, ils ont construit cette base au plein milieu de la ville. Et la deuxième catastrophe qui est arrivée, c'est que les familles qui voulaient prendre la ville, ils n'arrivaient pas à détruire la base sous-marine dans laquelle l'armée allemande se réfugiait, et du coup, ils ont démoli toute la ville. Ce qui fait que, après la guerre, ce qui est resté de la ville de Saint-Nazaire à 100% près, c'était que la base sous-marine. Pour nous, on était assez étonnés d'être invités pour ce concours, qui d'ailleurs n'était pas un concours, mais qui était une petite définition, c'est-à-dire un processus de trois mois de discussion avec les facteurs locaux, avec le maire, avec toute son équipe. Quelle serait notre attitude de transformation de ce lieu? Le maire de ça à l'époque, et son équipe, ils ont dit, ce qui ne s'intéresse pas, c'est un fantastique projet d'architecture ou pour ça. Ce qui nous intéresse, c'est de transformer ce cimetière qui actuellement est la barrière entre le port et la ville qui est derrière, qui s'est reconstruit après la guerre de terre et le plusieurs guerres de port, qui détournait la situation comme un aspect de l'équipe. Et dire la base qui est la barrière doit devenir maintenant des pivots pour reconquérir le port et pour refaire cette passerelle entre les deux. Et par rapport à ça, il a choisi plutôt de ce type. Il voulait comprendre notre attitude, comment on approche la chose au lieu de voir tout ce qu'on possède. Comme je dis, le bunker, c'est quelque chose qui est terrible, qui est une structure, c'est ce qu'on appelle des serveurs, il y en a 14. Là-dedans, il y en avait à un moment jusqu'à 20 000 personnes qui travaillaient, et à la fin, qui se sont même réfugiés, récupérer les bacs et les ateliers, après, une espèce de chemin de fer qui traversait cette chose de 300 mètres de long et au nord, le bassin pour le sous-marin. Pour moi, il y avait quelque chose qui était assez important, c'est que c'était un peu à la fin. C'était un voyage d'à peu près une semaine avec Paul Verrigno en 84, qui m'a fait discuter un grand nombre de bunker sur l'Atlantique Valle. Et c'était assez déroutant parce qu'il s'est mis devant ce bunker et il a dit: regardez cette beauté. Évidemment, pour moi, étudiant en architecture à Stuttgart, je parlais de Paul Verrigno qui était déjà à l'époque qui était un grand personnage de toute façon.
pour parler des côtés par rapport à un bunker, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Bien que aujourd'hui, c'est complexe, pour lui, cette côté, c'est complètement esthétique, c'est quelque chose que. D'important si on veut quelque part se concentrer aujourd'hui avec ces phénomènes. Ça ne veut pas tout uniquement dire que c'est pas que c'est quelque chose de terrible de la guerre. Mais si on veut travailler avec, ça nous a finalement, ça nous a beaucoup aidé dans le travail. Après, il y avait une deuxième chose qui était importante dans ce travail, c'était le dialogue. Le dialogue, je le dis encore avec. Avec regret, parce que le projet que je viens de montrer pour la cité du Bissau, en France, il y avait des élections municipales, et le maire et avec ça, toute son équipe de la cité du Bissau, ils sont disparus. Et demain, je vais en fin d'été pour expliquer le projet au nouveau maire et à la nouvelle équipe, et c'est un choc pour un projet. Surtout, c'est un choc pour un projet qui n'est pas un projet complètement déterminé. Mais un projet qui attend d'être complété et qui demande d'être exécuté. Alors ici, c'était tout à fait différent parce que le maire est un maire qui a 25 ans avec son équipe et en même temps, c'est quelqu'un de très fort. Il est venu à Dallas et il a dit ne me faites pas un parcours de touristes, moi je vais voir les lieux à Dallas où ça se passe. Et on va se le dire, peut-être aussi des lieux historiques et qui sont des lieux critiques. On a visité beaucoup de places comme aussi le report de Templeton, le Templeton, le Palais de la République. Et je vois que ça, c'était la deuxième composante, ce dialogue avec constante avec tous les temps de salaire, comme c'est possible de faire ce que c'est. Maintenant, je vais passer à. Aujourd'hui, on est beaucoup intéressé aussi à la notion qu'est-ce que c'est un monument historique. Ce n'est pas un monument historique. Ce n'est pas une culture, ce n'est pas une culture constructive, ce n'est pas une culture de savoir-faire. C'est quelque chose qui est complètement emporté. Mais pour moi, c'est un repère pour comprendre l'histoire. La vie, telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ça qui a beaucoup intéressé la municipalité ou le maire. Il faut surtout pas rater ça, parce que si on rate ça, c'est pratiquement possible. Alors, c'est 240 000 mètres cubes de béton, c'est le plus grand. Il y a pratiquement autant de béton que de lune. Il y a deux volumes. Si on décrit ça, on comprend plus la même pourquoi la vie et les tournées de l'infantile. C'est pas un moment, c'est pas non plus ce que les religieux avant arrêtaient dans le bunker, parce que pour les religieux, quand elle a parlé du scandale du bunker, elle a dit que le bunker, c'est la première fois l'architecture religieuse, un grand tournoi, et l'entrée sur les camps. Avec le dessin, avec ce magnifique propos. Là-bas, c'est pas l'équipe, c'est une taille de 4 000 mètres de béton sur une plage. Mais l'hypothèse, c'était quand même de faire de la base, sous-marine de nouveau en place, une place sociale. Ça, c'était la première demande, bien avant la demande qui en fallait le programme. En fait, le programme, c'était un programme socioculturel. Au début, c'était d'y installer un centre de musique contemporaine et de l'autre côté, un centre de forme émergente d'art, c'est-à-dire de s'inscrire un peu dans une topographie de nouveaux lieux en Europe qui ne sont pas faits précisément pour l'art, l'art ou l'œuvre qui se construit plutôt des situations urbaines ou des situations extérieures, antérieures.
c'était une question entre Pierre Avandrou, c'était un éclairage de Yann Kersalé, de l'artiste d'éclairage de sa première France. C'était son premier œuvre qui, je crois, qui est devenu connu au-delà de la France. C'était un éclairage de tout le temps de Saint-Lazare et de montrer que même des lieux terribles pouvaient avoir une beauté. Après, ça, c'était beaucoup plus important encore pour nous, c'est qu'avant nous, Manuel de Sola Morales, il a fait la première phase de la transformation du bunker, il a travaillé sur trois serveurs centrales. Et surtout, il a installé un pont sur la toiture, un pont qui amène nulle part, qui amène sur une toiture, sur une espèce de dessert de presque 4 hectares. Dans une certaine continuité avec lui, en disant que ça doit devenir la place sociale, la nouvelle place sociale dans la vie. Mais de votre côté, en fait, tout est complexe, parce que vous avez dit, pour travailler avec les bunkers, il fallait surtout travailler avec son caractère, ses qualités, peut-être terrifiantes, mais ses qualités de casser, de critique, de faire une rupture totale entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est vrai, l'image qui me fait gagner, si je peux dire, dans la dernière réunion où on a fait certains nombre de projets, c'était différent de celui-là. Parce qu'on s'est dit que nous, la qualité de la base, c'est cet espace intérieur, cet espace qui est lié aussi à la critique, qu'il avait aussi dans sa architecture. On voulait relever les qualités, on voulait, on a dit, s'il faut y aller, dans ce cas-là, on va faire un petit trou. S'il faut amener la lumière, on ne va pas amener la lumière, on va plutôt faire un petit trou à travers la toiture. Et on va sortir dehors, et on va travailler surtout sur cet aspect de passer de l'intérieur vers l'extérieur, de la rupture aussi. Alors, les principaux éléments du projet, c'était sur la droite, vous savez, l'espace des formes émergentes qui fait 1500 mètres carrés, qui est un bâtiment qui fait 100 mètres. À droite, ça fait 80 mètres sur 20 mètres de large, sur 10 mètres de haut. Au-dessus, vous avez une toiture en béton qui fait entre 4 mètres et 8 mètres de béton massif. Sur la gauche, vous avez une partie d'entendre de musique actuelle, et au milieu, vous avez cette rue qui est la rue qui traverse tous les bunkers. Et sur la toiture, c'est arrivé plus tard. On voulait rester à l'intérieur, mais on voulait aussi quelque chose à l'extérieur pour dire qu'il y a un changement. Mais ce changement, il s'opère à l'intérieur, mais il peut être visible de l'extérieur. Ce qui s'est rajouté au programme, et c'est parce que là on a beaucoup de faire, on s'est dit, si on n'ouvre pas, il faut plutôt profiter de quelque chose qui est une qualité, mais qui est aussi quelque chose qui est parce que cette galerie intérieure qui fait 300 mètres de long, et c'est une galerie très intéressante parce qu'elle est pratiquement dans le noir, mais elle est dans un climat, si je peux dire, anticlimatique, car à l'intérieur de la base sous-marine, comme il y a une telle masse de béton, il y aurait un décalage de température, un décalage de climat entre l'intérieur et l'extérieur de 3 à 4 mois. On a travaillé là-dessus aussi avec Transvolant. Ils ont essayé, c'est-à-dire, si à l'extérieur vous serez l'hiver, à l'intérieur, vous êtes à peu près en septembre, octobre. Et de l'autre côté, si vous